On a fini notre position ici, d'accord? On est ici. Donc, en jujitsu, je peux venir ici. Cette position-là, où je lui mets le, ce qu'on appelle le genou poitrine, elle vaut 2 points. Elle me donne 2 points. Elle me donne autant de points qu'un renversement. D'accord? Donc, c'est une bonne position de contrôle. Et d'ici, je peux contrôler mon adversaire. L'idée, lorsque j'ai mon genou poitrine, c'est que j'ai plus de contact avec mon pied dans le sol. C'est-à-dire, mon pied droit, ici en l'occurrence, il est en lecture sur sa cuisse. Okay. À partir de là, donc je lui relâche un peu de pression, donc je respire quand même un peu. À partir de là, je vais avoir plusieurs options. Une des options, une des mises en danger pour lui tout de suite, c'est si je suis là, donc j'étais ici de base, j'étais là, j'ouvre le col et je viens de glisser ma main dans paume de main vers le haut, c'est-à-dire ma main droite. Continue, il n'y a pas de je croise pas, je vais paume de main tout en bas, d'accord. Et l'idée, c'est de, comment dire, d'attraper l'étiquette, d'accord, l'étiquette derrière, ok. Cette main vient se connecter ici, d'accord. Du coup, j'ai cette saisie là, mais les Japonais appellent, enfin les Américains plutôt, ils appellent ça le samouraï choke. Comment ça s'appelle? Les Américains, baseball choke, c'est vrai qu'ils ont cette culture. Quand cet étranglement il a été importé en France, les équipes de France de judo, donc au Japon, sont revenues, ils ont appelé cet étranglement l'étranglement en manche de pioche. C'est-à-dire, je le tiens comme une manche de pioche. Chacun avec sa culture. Okay. Donc, là, l'idée c'est que je connecte mon petit doigt avec le pouce. Une fois que je suis ici, il va falloir que je passe de l'autre côté là-bas. Donc l'étranglement il va avoir lieu avant, mais l'objectif c'est que je fasse un 360. Donc, je suis là, mon genou il va venir supprimer ce bras là, parce que ce bras là va me gêner pour mener hors du monde. Okay. Là, mon coude, c'est comme si je veux ramener mon coude dans le sol. Je vais ici. Je stabilise ma position, j'ai le col qui est là, je supprime le bras, je viens là. Maintenant, ce que je veux avec ce genou là, idéalement, c'est de bloquer sa tête. D'accord, en fait, c'est pour pas que sa tête elle tourne là-bas. Je bloque et là, je viens écraser. Parfois, vous pourrez tester cette variante lorsqu'on est là. Ici, j'ai réussi à connecter et que le gars m'empêche de passer de l'autre côté. Il m'empêche, il me bloque, il met beaucoup de résistance. Il va pousser là. Ouais, je veux y aller, j'arrive pas. Donc je peux tenter une technique un peu de sacrifice. C'est au moment où je suis là, je vais partir de l'autre côté. Je peux rouler, je vais le prendre. Essayez la première variante en priorité. Celle-ci, vous verrez, c'est une fois que vous vous sentez aller sur la première. Okay. Ah oui, ouais. Qui c'est que le soir est en gagne? On est là, et il y a un autre détail aussi qu'on a pas. On est ici. L'autre détail aussi. Donc, cette main-là, c'est facile. C'est-à-dire, elle vient sur la gorge. Ok, il n'y a rien de sorcier. Celle-là, elle vient écraser la gorge. Le détail, c'est avec cette main-là. La deuxième, en fait, il faut que pendant la rotation, la deuxième main, elle est ce mouvement-là. D'accord? Pour les. Pour les trembler ici. Allez, désolé. Donc, on est ici. Un. Je relève ici. Je vais en dessus. Là, j'écrase. Et pendant que je mets mon corps en avant, j'ai mon bras là qui se tend là. Donc on essaie. 3, 2, 3.